Niché au cœur des Ardennes belges, ce circuit historique a accueilli son tout premier Grand Prix en 1925. Il est très prisé des pilotes et des fans. Bienvenue au Grand Prix de Belgique. Nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur des Ardennes belges. Les 7 km de ce tracé alternent longues lignes droites, virages rapides et grands dénivelés et font de ce circuit l'un des plus passionnants du calendrier. Les Grands Prix sont toujours exceptionnels. Pour résumer, cet endroit est unique. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton, aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, Albon, Hamilton, Sebastian Vettel et Verstappen, Norris, Magnussen, Sainz et Romain Grosjean, Perez, Ocon, Daniel Ricciardo et Stroll, Latifi, Raikkonen, Antonio Giovinazzi et George Russell, Gasly et Daniil Kvyat qui ferment la marche. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Bon, c'est parti, je sais... se concentrer sur le reste de la course.
Tu peux maintenant utiliser le DRS. DRS disponible. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Après une course difficile sur ce circuit qui requiert une concentration à toute épreuve, il a persévéré pour s'offrir la victoire. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je sais que c'est une réponse un peu facile, mais la vérité, c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le gagnant du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Eh bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Pour moi, c'est Kimi Räikkönen. C'est un pilote qui mérite plus d'attention quand on voit ce qu'il réalise sur le circuit. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison.